Tapis volant à toi! C'est quoi la chanson de ce rêve bleu Sous un ciel de de cristal? cristal, Je me sens scellé. j'erre. Je vis dérive et chavire. On va buter du Trinitaire. Du Trinitaire. Allez, c'est parti les kikis! Bienvenue! On va tous se les rafaler là! Salut, salut les kikis. Un feu de camp. Ouais, t'as remis son arme derrière l'épaule, mais d'un geste technique de dingue. Ouais, toi t'es de faire pareil, tu te butes la clavicule. Jacob est parti devant. Il y a quelque chose chez lui qui m'échappe. Il y a quelque chose qui t'échappe. Ouais, moi aussi. Comment il fait pour donner des coups de couteau aussi rapidement alors que les mecs ils sont armés? Ça aussi, ça m'échappe. Et là, tu vas être fier de moi parce que là, je vais enclencher le chronomètre. Bien bébé, vas-y, t'as raison. J'ai un peu peur. Qu'est-ce que t'en penses? On va jeter un coup d'œil. Oh, j'adore cette arme, franchement. Je me sens la reine du monde. Même si c'est pas moi qui l'ai entre les mains. Et ben. Oh 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 oh, look at this baby. Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Headshot! Et il sait pas ce qui lui est arrivé? Oh! Alors, le dernier. Là, je suis tellement choquée que j'ai la bouche ouverte. Qu'est-ce qu'il y a là? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pas mal ce zoom, hein? Ouais, putain, énorme. Bon, si tu pouvais faire ça avec des méchants. Je viens de me lancer un défi, tiens. Ah, t'as une nouvelle tenue? Oh, c'était mal fait. Le bug de dingue. Et là, j'ai une arme. C'est une nouvelle tenue, Auré, non? Ah ouais, c'est une nouvelle tenue. Elle a un petit trench de la collection Zara hiver 2016. Elle s'est mis un petit foulard, là, bien. Ah non, mais attends, cette arme sur la cuisse. Non, mais attends, là, elle a la classe, regarde. Une arme sur la cuisse, un piolet sur la gauche. Ah, oh, c'est avec ça que j'aurais dû me le faire. Je me serais fait les deux d'un coup. Bon, chérie, tu reconnais cet endroit en fait. T'as pas un peu envie de vomir quand tu regardes. Ça bouge trop. Là, ça ne bouge plus. Est-ce que là, tu ça crois bouge. Que je peux me faire un oiseau? Oh! Ce soir, c'est KFC, bébé. Oh, mais attends! C'est un mec qui se. Ouais, tu peux pas le tuer donc c'est ouais. Un gentil, il faut que t'ailles le voir. Et si j'ai pas envie? Eh ben tu le laisses crever de froid. Mais ta conscience va en prendre un sacré coup. Non, Auré. Putain, mais t'es vraiment un chacal. Tu touches pas à Bambi. Bambi, c'est ma proie, bébé. T'as compris? Oh là là, non mais attends. C'est énorme. Ça veut dire que je serai tranquille. Je vais y aller. Il y aura plus personne. Oh, oh la pauvre, elle est en train de dormir, tranquillos. Merde, j'ai raté. Quand je vais arriver face aux ennemis, j'aurai plus de balles. Et après, il nous dira: mais putain, c'est fou ça! Mais qu'est-ce que j'en ai mais fait? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Allez, va, c'est parti pour l'aventure! Ouh, j'adorerais faire ça en vrai, ça doit être mortel. Ouais, mais attends, mauvaise réception. Épée! Qu'est-ce que tu fais là, Rodrigo? Ne tirez pas. Je suis avec Jacob. Il nous a dit de vous attendre. Mais ces vermines nous ont trouvé les premiers. Et alors? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Ça me paraît louche cette affaire. Est-ce que Jacob ce serait pas un traître? Jacob? Hein? Ça m'a l'air d'être un marchand de cauchemars. Tu sais, je débloque des trucs mais y a rien dedans. L'histoire de ma vie, tu sais. Bon, qu'est-ce qu'il veut là? Qu'est-ce que tu veux? Allez, vas-y. Oh bon sang. Tout va bien? Ça n'a pas l'air. Constipation, non? Mais il me faut un endroit plus sûr au cas où les envahisseurs reviendraient. Elle aussi est partie à la poste. Il y a une grotte de l'autre côté du pont. Une tanière de l'eau. Ils n'iront pas chercher là. Mais je ne peux pas la sécuriser tout seul. Pas dans mon état. Si vous pouviez les tuer, on aurait un endroit sûr où se regrouper. J'aurais peut-être même quelque chose pour votre pistolet. Vous pouvez m'aider? Oui, bien sûr. Ne vous faites pas voir, je reviens. Et surtout, cachez-moi ce. Arrêtez de jouer avec les feutres Velleda, s'il vous plaît. Sinon, tu la vois la hache, tu vas te la manger, mon gars. Et il m'a dit de faire quoi? Oh, c'est bon, si on peut pas rigoler. Allez, ah, parce que moi je rigole pas, moi j'étais tellement focalisé sur sa cicatrice Velleda que je sais pas. C'est quoi le truc? Je sais pas, mais je vais aller. Je pense qu'il faut aller rejoindre. Attends, vas-y, remets dans le menu, repars dans le menu. Non, j'ai plus envie. Il y a marqué l'objectif.
Bon, vas-y, et attends, je le fais. C'est le menu, ça? Non. Tout à l'heure, t'étais dans un... Vous avez nettoyé la grotte? Ouais, c'est fait. Danger. C'est bon, tu peux y aller. File-moi non, les pièces. Encore. Le pistolet. Oh, elle est trop honnête, elle. Alors, attends, c'est en fait, je suis en train de chercher un cash, la monnaie. Regarde-moi ça. Petite foulée, allez. Je te rate pas. Agile comme une... Oh, une pédagogie, chérie. Ça, c'est très important. Cache money. Ah, il y a pas mal de choses à découvrir. Waouh. Ouais. This is a grotte. C'est cette grotte en plus, non? Non, c'est pas cette grotte. Bah, je sais pas, mais... Allez, vas-y, elle a allumé la loupiote. Il y a une chose à gauche là, c'est quoi? Non. Oh là là, ça y est, elle commence à faire du bruit. Et on va récupérer ça. Encore une feuille de goji. Hey, si on passait par là. On va découvrir un tombeau, toi et moi. La classe. Un tombeau magique. De la thune, bébé. On va pouvoir acheter une nouvelle arme au marchand. J'aimerais bien une épée là, tu sais, ils ont que ça là de partout. J'adore, enfin, pas les crânes, mais. Ouais. Ah. Voile d'araignée à moi. Ah, on va découvrir un tombeau, hein, je te le dis. Oh, fais gaffe. Je sens l'araignée là, non? Tu crois qu'il y a des araignées là-dedans? Je sais pas, non? Ah, il y a beaucoup de toiles là, t'as raison. T'as raison, c'est louche. Mais t'inquiète pas. J'ai un truc universel qui chasse toutes les bébêtes. Mais attends, c'est cette grotte? Non, c'est pas cette grotte. Je connais ce genre de pièce. Avec cette petite musique. Tiens, il y a un truc. Damien, le maçon du prophète. Il avait un maçon. Portugais. On critique pas les Portugais. Ah, c'est joli ça! Ouais. C'est beau, mais je peux pas interagir avec. Ah, attends. Il y a des crânes de partout, c'est. Ah, ouais, quand même, c'est immense. Ah non, c'est le complexe en haut, rassure-moi. Je sais pas du tout, ouais. Ah, attends, j'ai l'impression que je vais me perdre. Est-ce que c'est la même. Est-ce que ça donne sur la même salle, non? Ah, je peux pas passer par là déjà, donc je suis obligé de passer par là. Là, elle te fait des sauts de dingue et elle peut pas sauter. Et non. Mais tu seras obligé, je pense, de passer par là-bas, non? Ben non, je pouvais pas. À mon avis, c'est sur le retour. Je peux faire ça, là? Le meilleur moyen de le découvrir, c'est d'y aller. Ça a l'air un peu boueux. Attends, oh, ouais. Comment on fait déjà pour nager? Tu maintiens B, non? Non. Ou alors, c'est pas assez profond. Ah si, voilà. Putain, t'as vu? Ouais. Tu ça. Oh. Vas-y, remonte. Comment mourir bêtement? Allez, vas-y, c'est parti. Oh, c'est beau même. Ouais. Allez, on va faire un peu c'est de lecture. Parti. Les plans ne suffisent pas pour bâtir une ville. Il faut des matériaux et une personne capable de la construire. Damien était cette personne. On dit qu'il pouvait fabriquer une brique avec rien d'autre qu'une poignée de terre et une flamme. On dit également que son art était inspiré des dieux. C'est de sa main que les rêves de l'architecte prirent forme. Bien sûr. Je dirais plutôt que c'était un gros mytho. Mais bon, chacun son délire. Hein. Allez, continue, bébé. Attends, j'ai pas regardé s'il y a quelque chose là-bas. Non, c'est bon. Putain, là, il devrait mettre un gros crocodile. Tu sais qu'il te chope la jambe. Ah, pourquoi t'as des idées comme ça? Tu es pas folle? Et mon cœur, tu penses à ça? En fait, ouais, ça nous fait faire juste le détour, quoi. Ah ouais, moi qui pensais que... Ça a l'air d'une petite grotasse. Ouh, attends, là, il y a quelque chose, hein. Un pouvoir magique, là, non? On a bien vu le lingot d'or. Ok, faut pas... Ah, je pouvais passer par là? D'accord, mais j'ai fait tout le retour. On vient de là, non? Ouais.
T'as raison, ces toiles d'araignée quand même, c'est pas net. Hein. Et ça, c'est encore moins net, c'est quoi ça? C'est le tombeau du grand-père. Comment tu descends par là? Comme ça. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a? On peut manger là. Attends, parce que moi, la dernière fois que j'ai ouvert un tombeau, il s'est passé des choses très très graves. Alors voilà ce qu'on va faire, on va d'abord récupérer toutes les petites choses à récupérer. C'est joli hein, la mosaïque là. Ouais, ouais. Ça a dû être long à faire, j'ai pas cette patience. Très joli, hein. Très très joli, je félicite l'artiste. Allez va, c'est bon, on ouvre. Oh, ça a l'air super lourd. Pourquoi pas? Eh, pas mal. Après, si c'est pour avoir un arc pourri, c'est pas la peine. Hein. Alors, attends, parce que du coup. Qui fait ce bruit? C'est toi, non? En marchant. Waouh, la poussière dans l'air. Ou c'est de la neige? Je ou... pense qu'elle est pas asthmatique. Qu'est-ce que ça peut bien être? Attends. Ah, bah. T'as vu le petit raccourci dont je te parlais? C'est pas mal. Bon bah c'est bien. Je crois que j'ai fait l'essentiel. Enfin, on a plus qu'à se barrer. Mais c'est pas mal ça, c'était sympa à voir. C'était rapide, c'était joli. On a récupéré 2-3 petits trucs dont un morceau d'arc. Ouais ça peut... J'ai hâte de voir si c'est pas mal tu vois. En tout cas vu mon amour pour l'arc et les flèches, je pense que je ne peux être que ravi. Allez. C'est pas du tout la mission. Mais vu qu'il veut qu'on s'occupe de grottes. Ah, c'est mangé comme une pauvre merde. Ah ouais, c'était un moment gênant. Alors pourquoi je suis en train d'en monter là? Donc oui, tu dois aller là-bas, c'est ça, dans la grotte, faire le ménage en gros. C'est ça hein. Pourquoi elle brille cette grotte, c'est elle? Parce que tu dois y aller, j'imagine que c'est celle-ci, ouais. Alors attends. Ça. Ouais, pas mal. C'est fait. Déjà, je vais pouvoir dépecer du. C'est vrai que c'était une. Je sais qu'il y a un des. Kiki qui nous l'a mis, non? Je crois, il nous parlait justement de tuer les animaux en se mettant en hauteur. J'invente peut-être? Non, non, tu dois avoir raison. Il me semble voilà, qu'il y en a un qui nous avait conseillé de faire ça et c'est vrai que c'est super utile. Tu t'économises du temps après, quoi. Tout à fait. Tu déblais le. Le terrain et tu sais que t'es protégé donc Ouais puis là on a pu les buter de vachement loin. Oh il était balèze ce loup. Ouais ouais il était gros hein. On dirait les loups des Stark. Non sans déconner. Je ne suis pas assez doué en russe pour déchiffrer tout ça. Va falloir apprendre hein, ma grande hein. Mais on dirait une sorte de carte. On est pas bon hein en décryptage. Allez bah, c'est parti. On va y aller comme des guerriers. En mode froussard. Vas-y, vas-y. Moi j'aimais bien ton mode froussard, Auré. Non, 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 passe par. Il y a des petits escaliers. Non, non, je regarde, j'utilise la vue en hauteur. Franchement, je me demande de ce dont tu parlais là. En face de toi, en face de toi. My god. Je ne connaissais pas vos amis. Oh putain, j'ai fait un bond en arrière, j'ai... Écoute-moi bien, loulou. Ah, maman. Oh, maman. Oh putain, mais ils sont nombreux. Ça va les gars, ça va aller, ça va bien se passer. Je ressors, je ressors, je... T'es sûr que tu sors là? Oui, oui. Ok. Ils ont pas aimé, je crois. Tu vas te mettre là-dessus, là? Ouais. Comme une grosse lâche. Alors attends, je t'explique. On était un peu choqués, là, ouais. J'ai pas la bonne arme. Ils sont où, là? Oh, flippant. Ah, ça se fait les malins et après, y'a plus personne. Hein. Bon, attends, il faut que j'aille rafaler avec... Il faut que je trouve un feu de camp. Bouge pas. Ça va pas me faire chier longtemps. Je vais y aller.
avec la calache. Et tu sors la calage. Ils nous ont dégommés. Ah ouais, franchement, non mais je m'attendais pas à ce qu'ils soient autant. C'est ça de pas écouter. Bon allez, c'est bon. C'est la neige. Il est par là le feu de camp, non? Ouais, même presque. Beaucoup plus bas. Faut que j'y aille avec des grenades et tout, non? Comment je vais faire? La grenade, c'est pas bête, mais t'en as? Franchement? Non. Non. Alors pourquoi tu poses la question? Parce que j'ai espoir de trouver des choses. Ça t'y va avec Pampan, tu le lances comme appât? Faudrait, ouais. Donc tu vois, j'ai bien fait de les buter à distance. Par contre, ouais. Il m'en faut une avec beaucoup de recul. Donc ça va jouer entre elles. Beaucoup de recul, non. Vitesse de rechargement, capacité de munitions. Elle est dégâts, c'est pas... Ah, elle va prendre celle-là, va. Allez, ça me paraît pas mal. Ils sont nombreux quand même. Comment je peux les appâter? Attends, chasseur. 1, 1, 1, augmente la quantité de ressources, survivaliste, non. Non, c'est du combat corps à corps qu'il me faut. Non. Esquive contre-attaque, ouais, esquive élimination, on va faire ça. Tu l'as déjà ou pas? Non. Parce que tu vois, tout à l'heure, quand on était tous entourés, ouais, là, au moins, j'aurais peut-être pu m'en faire un ou deux. Oh, l'écureuil. Non, laisse-le. T'as été voir à quoi ressemblait la pièce de ton arc que tu as reçue? Non. Ah, tu veux pas aller voir? J'irai voir une prochaine fois. Non, j'ai mûri, chérie. Je sais ce qui t'est passé. Tu vois, je n'ai rien dit. T'as vu ça? Raccourci. Vous avez nettoyé la grotte? Ah, ferme ta gueule, toi. Ouais, je comprends pourquoi tu veux pas y aller, espèce de lâche. Non, pas encore. Mais je vais le faire. Et ça me prendra le temps que ça me prendra, t'as compris? Et je vais surtout prendre des baies de goji. C'est pas les baies de goji, ça c'est les feuilles de goji. Ok, c'est ça c'est lourd. L'esquive, je maîtrise. Pourquoi je peux pas passer? Ah, c'est verglacé. Ah, et voilà comment ça va se passer, mon coco. La première fois, on n'était pas prêts, mais là... Vas-y, hein, fais péter la loupiote. Vas-y, arrête-toi là, ils vont arriver. Il va arriver tout droit en face, mais toi tout droit, Auré. C'est par là qu'il arrive. Ah ouais? Ouais. On voit rien. Il dort ou il a été tué? Ah non, c'est une biche. Pardon. Allez, retourne et mitraille. Retourne et mitraille. Ouais, ça va, ouais. Vas-y. Putain, ouais, vas-y. Bref. Mais pas genre. Tous me les faire, moi. Allez, vas-y. C'était pas mal ça, hein. Faut que je les amène vers cet endroit coupe-gorge. Combien il en reste, tu crois? Je dirais 2-3. Ouais, comme le nombre de vies dont je dispose. Pourquoi j'ai plus esquiver mon... ton machin d'esquive, non? Ta compétence spéciale. T'as vu que j'avais plus de balles? Tu te souviens de la discussion qu'on a eue en début de vidéo? La question c'est... Attends. Est-ce qu'elle est soignée là au moins?
Est-ce que j'ai rempli ma mission? Non, j'ai pas grand chose. Ça y est. Tambour, donc ouais. Aïe aïe aïe. Auré, il te course le cul, je le sens. Ouais, j'ai bien entendu, ouais. Calmos, ils sont pas encore là. Vas-y, il est pas mort, il est pas mort. Merde. Attends. Vous êtes vraiment des lâches. Combien j'ai de balles? 16 balles. C'est pas des masses, hein. Non, la musique c'est pas excité. Oh là là, je me suis défoncé l'ongle. Eh tiens, ça t'énerve ou pas? Je vois un truc qui brille là. C'est ses ouais, yeux je sais pas ce que c'est. Ou c'est des minerais. Oh, je le sens pas, je le sens pas, je te le dis. Bon, je sais pas, non? Tu l'as peut-être buté, hein. Peut-être c'est bon, hein. Peut-être il se sent seul maintenant. Enfin, je vais te faire tous les recoins parce que je sens que là tu vas me dire, vous êtes sûr? Et je vais lui répondre à... Je pense que oui. Allez, loulou! Tiens, des champignons vénéneux. Bon allez, on va voir cette mission là, parce qu'il m'a gavé l'autre. Peut-être qu'il faut que je ressorte et que je re-rentre. En tout cas, j'en ai buté quelques-uns. Je ne dirais pas non que j'ai cédé à la panique générale. Franchement, non. Non. Je dirais que j'ai plutôt été sobre dans... Organisé. Oh, pas mal. C'est quoi? Ah, pour faire... Une bouteille. Bah tiens, c'est ce dont tu cherchais tout à l'heure. Ouais. Ce dont tu cherchais tout à l'heure. Ce que tu cherchais tout à l'heure, mais c'est pas grave. Tu as raison. Je vais l'envoyer, je pense que c'est ça qu'il faut faire. C'est ce dont tu avais besoin. Exactement. Très efficace. Ouais. Très. Ah bah n'empêche, elle a fait venir. Allez chérie. Allez chérie. Elle me fait un peu flip. Ne sors pas trop parce que sinon tu ne l'auras plus. Ouais, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a les petits loulous là? Etienne. En plus on les a tous réunis en famille. Ouais. On est comme ça, non? Ouh. T'as vu la bouteille là d'alcool que j'ai balancé? Ouais. Oh attends. Oh. Bien fait hein. Ouais. Enfin, ça ressemble plus à une partouze qu'à une salle paisible. Tant mieux, parce que j'avais combien de balles? 9. Il faut que t'en retrouves d'ailleurs. Ouais, ouais, mais il y en a partout ici. Allez, je vais aller voir Don Diego de la Vega. On va récupérer quelques petites branches. Au pire, tu as tes arcs, c'est vrai que tes flèches. Fin... Oui, et puis non, mais je peux aller récupérer les autres armes aussi. Ah, il était là, je crois. Hein. Alors? Vous avez nettoyé la grotte? Franchement? La grotte est nettoyée. Si vous vous y rendez, vous serez en sécurité. Merci. Tenez, prenez ça. J'aurais Jacob le nous mec. A dit de vous protéger, mais... Il a 3 tresses. Les rôles ont été inversés. Sur le menton.
devez pas me donner quelque chose à part les sous. On a fait tout ça pour 3000 crédits. Bien ma gueule. Écoutez-moi bien. Et que je ne te revois plus ici. Hein. Cool, c'est j'aime bien ces petites missions moi. Je trouve que c'est sympa. Qu'est-ce que c'est que ces traces? Waouh. Un ours? Mais je sais pas mais. On dirait non? Mais ça fait pas envie. Monsieur. On peut y aller ensemble de toute manière. Ah, on va aller au foot camp. Allez. Combien de temps il reste bébé? Tu peux regarder ça. 5 minutes, 13. 5 minutes, ok, il nous reste tout juste le temps de se réchauffer. Changer d'arme, parce que j'ai vraiment pas confiance, je vais voir si. L'amélioration a été. Non, surtout ça me redonne des balles en fait. C'est quelle arme qu'il a améliorée? Bah écoute, normalement, j'imagine que c'est l'arme qu'il a améliorée, c'est l'arc, non? Il avait dit. Ou c'est l'arc ancien, oh là. Je sais pas, on verra bien ça sur le. Ah non, t'as vu, hein. Ça rend pas les balles, hein. Donc, par... ouais, il faut que t'en trouves. Ça rend pas les balles. Enfin, ça rend pas les balles. Si, elle a quand même 30. 30, mais bon, pour un chargeur comme ça. Va falloir que je fasse gaffe. On va repasser à l'arc. En attendant. C'est plus prudent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là? Prochain objectif. Cache de survie. Qu'on arrive à faire l'arc avec le grappin aussi. Ok, on va aller chercher. Waouh, c'est magnifique. Y'a un truc qui me suit ou c'est mes propres pas? Ce sont tes propres pas. Je crois que t'as été un peu traumatisé de la poursuite avec le loup. C'est clair. Non mais attends, c'était pas normal ces pattes là. C'est obligé, c'est un ours. T'imagines si on doit se refaire un ours? Oh non, j'imagine pas. Ok. Ok, tu dois monter sur ces plateformes. Il va y avoir une zone, ouais, de... Je suis bien en dessous aussi. Je peux passer là. Tu sais, c'est là où on avait rigolé sur... l'autre dépressive qui chante. Ah, attends. T'as vu la grotte? Ok. Elle est où? Oh. T'aurais peut-être pas dû faire ça, Auré. Bah si, tu crois? Comment on va faire pour remonter? Quelqu'un m'explique maintenant? Ah, on peut passer par là-bas, j'imagine. Alors, ok, utilise les explosifs, ouais, donc tu vois, c'est énorme. Il y a pas mal de grottes, mais pour y arriver. Ok, tu montes là-bas, voilà. Allez. Ça va bien se passer. Heureusement, le piolet il est universel ici, tu peux tout faire. C'est d'une solidité. Toute épreuve. Ok, donc on sait qu'on peut pas aller là. Donc vous repartir sur les là où t'étais tout à l'heure. Je vais récupérer de quoi me soigner. On regarde vite fait. Ouais. Je sais pas trop c'est quoi c'est. Potentiellement la suite de mon histoire est par là-bas. Donc il y a son village. Mais j'ai tellement de choses à choper que j'hésite. Hein. Ouais, on va aller chercher le cash, cash la monnaie, on ramasse quelques petits objets, on est là. On est là aussi pour ça. Attends, est-ce qu'il n'y a pas des mecs? Zoom. Non, ça va, ouais. J'ai vu le mec qui pendait en fait. Ok, t'as vu, faut aller là-haut. Ouais. Cool. Franchement, si t'as là, si t'as pas la minimap, tu passes pas par là par hasard. Ah, tu peux pas trouver. T'as aucune chance. Ouais, c'est clair. T'as aucune chance.
Une grotte, mais celle-là, non, je crois me souvenir que il y avait des soucis. Pourquoi le coffre-fort? Parce que je vais aller chercher. Attends, on va passer par là. Joli. Raté. Tiens, on va récupérer ça. Le couteau de combat, je suis vraiment pressé de l'obtenir. Ça me semble pas mal. Ah, il nous en parle. Ouais. Petit raccourci. Allez, on repart. On est presque arrivé au terme de celui-ci. M'en retardé avec sa mission, l'autre. Il y a les tam-tams, donc fais gaffe. Ouais. Ah d'accord, j'ai plus besoin de ça. En fait, ça c'est vraiment pour les flèches. Allié à proximité. Mission facultative disponible. On l'a pas fait ça encore, on était Non. là. Si, c'est là qu'il y avait la première mission. Hé! Hey. Revoilà. Bien. Alors vous pouvez nous aider. Ouais. Oui. Ok. D'accord. Eh ben on va voir. Quel est le problème? J'ai déployé des guerriers dans toute la vallée. La nuit dernière, deux de mes meilleurs éléments ont été capturés, et j'ai de bonnes raisons de croire qu'ils sont encore en vie. Le troisième a réussi à s'échapper, et il m'a dit qu'on les avait emmenés sous la gare. Il a vu qu'on les enfermait dans des cages avant de prendre la fuite. J'ai une dizaine d'autres guerriers dans la vallée, et je dois rester ici pour coordonner leurs attaques. Mais vous, j'ai vu de quoi vous étiez capable, et je dois vous demander de nous aider. Oui. Oh, mais cool. Oui, bien sûr. Merci. Les Ils étaient malchanceux. conscients des risques et seraient heureux de mourir pour notre cause. Mais je ne peux pas rester à rien faire. Ah, c'est normal, tu veux retrouver le mec qui t'a fait ça au visage. Je comprends, hein. Quand tu pars pour un tatouage bien propre et que tu vois qu'on t'a fait un tampon encreur sur la tronche. En plus, en te rasant tout le crâne. Ouais, ça énerve. Hein. Oh! Localiser et libérer les prisonniers. Petite mission bien sympa, j'adore. C'est pas mal. Bon, on va couper là. On va. Juste, mon objectif, c'est de repartir de ce côté. Est-ce qu'il te les indique, les prisonniers? Non. Non. Je sais pas combien Ok. il y en aura, mais bon, on va faire de notre mieux. Je pense que dès qu'on aura, on en aura trouvé un, tu sais, ils nous mettront. Allez. Voilà, on fait un petit angle de vue bien sympa. Arrête de bouger la tête, Bien imbécile. lumineux. Bon, voilà les kikis, c'était mission tuer les loups. Tuer les loups, ouais. La taverne des loups. J'irai quand même vérifier s'il m'a pas entourloupé et qu'il est bien, il s'est bien installé dans cette grotte. Ça sent le mec qui voulait juste foutre de Mais ma peut-être gueule. qu'il faut y aller en plus, tu sais. Peut-être, peut-être. En tout état de cause, on va aller rescaper les derniers. Là, j'ai vu qu'il y avait une tenue en jeu. Alors bon, c'est pas grand-chose une tenue, hein. J'ai cru comprendre qu'il y avait une tenue de camouflage qu'on pourrait récupérer. Bon, on verra tout ça dans le prochain épisode. Et puis après, on va continuer notre mission. Mais j'avoue que l'intérêt de faire ces petites missions, c'est que pendant que j'essaie de les résoudre, eh ben, je récupère de quoi me soigner, des flèches, des Ouais, balles. donc c'est pas du tout inutile quoi, hein. Donc Ça voilà, sert. hein. Ça s'appelle de la remise en forme. Hein. Ouais. Si tu fais pas ça, eh ben, t'es cuit, quoi. Et bon, vu qu'elle doit entretenir sa forme, justement. Voilà. Ciao les kiki. Salut, salut. Plus plus.